Oggi a Bergamo, con questo convegno, Christophe Drenou presenta il metodo ARCHI, o ARCHI in francese, che è un metodo di diagnosi che ci consente di valutare le capacità di risposta degli alberi agli stress ambientali e ai mutamenti climatici. In Italia sono già molto conosciute diverse metodologie di diagnosi. Questa si aggiunge e completa le conoscenze che oggi noi abbiamo a disposizione. La novità consiste nella capacità di valutare le cosiddette capacità di resilienza di un albero. Fino ad oggi noi eravamo abituati a leggere la storia di un albero in maniera pressoché lineare. Christophe Drenou ci ha spiegato come leggere in maniera invece ciclica la storia della vita di un albero sottoposto a condizioni di stress. Le condizioni di stress sono abituali per i nostri alberi urbani e anche per le nostre foreste e possono essere dovute ai mutamenti climatici ma anche alle condizioni spesso ostili in cui gli alberi devono vivere. Les arbres sont très importants pour l'homme. Ils seront de plus en plus importants par rapport aux menaces liées à l'environnement, au changement climatique. Mais il faut réfléchir à la gestion des arbres. Qu'est-ce qui est mieux? Planter beaucoup d'arbres dans un espace petit et ce sont des arbres qui vivront peu longtemps? Ou est-ce qu'il faut mieux planter moins d'arbres et faire en sorte qu'ils vivent longtemps? Évidemment, c'est la deuxième solution qui est la meilleure. Et pour ce faire, il faut former les gestionnaires de l'arbre pour qu'ils prennent en considération la durée de vie des arbres, qui n'est pas du tout la même que la durée de vie de l'homme, et qu'ils prennent en considération l'espace nécessaire, l'espace aérien, l'espace souterrain.